On est arrivé il y a une vingtaine de minutes à Berthier-sur-Mer, au nord de Québec. Donc on a fait 350 km pour monter. Une route franchement toute droite et avec pas beaucoup d'intérêt. Je vous mettrai quelques extraits. Vous allez voir, vous allez être surpris par le changement de temps, d'environnement et par la maison qu'on a. Je pense que ça va être assez sympa. Je change de côté et je vous montre ça. Voilà, donc on est à Berthier-sur-Mer. Je vais vous montrer ça. On est dans la rue principale. Hop, Laura est cachée sur la terrasse. Et voilà où on est garé. Donc comme vous voyez, il y a un petit peu de neige. Allez, c'est parti. Je ferme la porte parce que franchement, il fait froid. Alors, le salon, voilà à quoi ça ressemble. Alors, une première chambre. Avec une petite salle de bain, tranquille, hein. Franchement, c'est plutôt sympa. Ensuite, je vais vous emmener dans la cuisine. Et la cuisine, franchement, c'est plutôt classe. Vous remarquerez, hein, frigo américain et la cuisinière, je peux me faire rôtir dans le four. Je le dirai plus, ça. Pas terrible celle-là. Et on y va. Et regardez-moi ça, le jardin. C'était un jardin, mais il y a un petit moment quand même, hein. Avant qu'il y ait, je sais pas, 2m50, 3m, 3m50 de neige. Là, cette fois, c'est le Canada, c'est sûr. Voilà, voilà. Petit coucher de soleil, rougeoyant, sur le Saint-Laurent. Ça, c'est le port de Berthier-sur-Mer. Les bateaux sont bien sûr hors de l'eau, il y a encore un petit peu de neige et vous voyez ici c'est le début du dégel. Alors on a une petite flaque avec de l'eau quoi, mais une toute petite flaque. C'est franchement c'est magnifique, incroyable. C'est vraiment très très beau. J'arrive pas à voir la couleur sur le téléphone que ça rend. En vrai, je vais essayer de prendre une photo, c'est rouge, c'est fou, c'est fou. Allez, c'est parti. Bon, ça faisait 10 minutes que j'étais en train de parler et puis je me suis rendu compte que je n'avais pas appuyé sur le bouton pour lancer la vidéo. Super, très efficace Yael. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on ne vous a pas donné beaucoup de nouvelles ces derniers jours. On n'a pas fait grand-chose. J'ai fait moins de photos parce qu'il faisait moins beau, donc ça faisait un petit peu moins rêver. On a fait beaucoup d'administratifs, donc on a réussi à ouvrir un compte en banque. C'était pas facile parce qu'on n'avait pas d'adresse. Le compte en banque nous a permis de prendre une case postale, donc une boîte aux lettres, quoi. Une boîte aux lettres qu'on loue à la poste ici dans le petit village et qui va nous permettre d'avoir une adresse, de pouvoir recevoir du courrier et surtout de pouvoir justifier auprès de tout le monde d'une adresse. Donc ça marche pour l'assurance du motorisé qu'on a souscrit, ça marche un petit peu pour tout. Il va faire un petit peu froid pour vivre là, dans le motorisé, même carrément trop froid. Ça devrait pas descendre en dessous de moins 2 normalement.
Mais même moins 2, c'est vraiment trop froid et pour l'instant, on devrait même pas y aller. Mais bon, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et puis si vraiment on a trop froid, on reprendra un Airbnb ou quelque chose pour pouvoir se mettre au chaud. Voilà. On verra. Ça fait partie de l'aventure. C'est ça le Canada aussi, il fait froid. C'est normal. C'est comme ça. On est allé trop tôt. Et ça nous dresse. Donc on n'a pas fait grand-chose. Il n'y a pas grand-chose d'ouvert. On est vraiment... en intersaison, les activités d'hiver, c'est terminé. La pêche sur la glace, sur la rivière, la motoneige, le ski, les raquettes, y a, voilà. On n'a plus d'activités d'hiver et on n'a évidemment encore pas les activités d'été. La neige a beaucoup fondu. Je crois qu'on a perdu, franchement, autour de la maison, là, un bon mètre et demi en quelques jours, quoi. Donc, ça va dans le bon sens. Mais bon, on a eu des très belles journées, 10, 12 degrés, grand soleil, c'était hyper agréable de se balader, on est allé se balader un petit peu dans tous les bleds autour, c'est vraiment très joli. Le Saint-Laurent, on voit toute la banquise, quoi, les gros blocs de glace de plusieurs dizaines de mètres qui se baladent sur la rivière et qui descendent de la rivière, toute la glace qui s'évacue, c'est franchement le dégel de la banquise, quoi. Il y a des icebergs, il y a des petits icebergs, hein, c'est pas le pôle Nord. Mais franchement, c'est vraiment sympa à voir et on verra jamais ça chez nous, quoi. Donc, faut en profiter. Voilà. Une belle tempête de neige, il n'est pas tombé grand-chose, un petit 5 cm quoi. Normalement, en fin de journée, on doit avoir nos premières pluies verglaçantes. J'ai jamais vu ça, moi j'ai hâte franchement de voir ce que ça fait. Il paraît qu'on ne peut pas marcher, hein. Il pleut et ça gèle instantanément au sol et c'est hyper casse-gueule. Donc évidemment, on va aller faire un tour pour voir. Et puis, je pense pas qu'on filmera, mais je vous dirai si on s'est retrouvé sur le cul ou pas. Donc quand on va récupérer le motorisé, on aura 2-3 jours là où on va installer un petit peu tout. Il faut que je change le régulateur de propane. Bon, rien de très intéressant. On va faire une installation complète de panneaux solaires. Donc on va mettre des panneaux solaires sur le toit avec tous les régulateurs, avec une batterie spécifique pour pouvoir être autonome en énergie. Donc du coup, on devrait normalement avoir assez d'énergie avec les batteries pour pouvoir recharger tous nos équipements électriques. On a à peu près 300 litres d'eau de réserve, donc ça devrait nous permettre de tenir à peu près une dizaine de jours en autonomie. Et puis on a dans les 400 litres d'essence, quelque chose comme ça dans le réservoir, ce qui nous permet de faire, je crois que c'est 2000 ou 2500 km, selon comment on roule. Voilà, donc c'est plutôt sympa, on devrait avoir 10-15 jours d'autonomie au global en faisant attention, donc ça devrait nous permettre de faire des jolies petites tripes. En complète autonomie. Voilà. Bon, je vous tiens au courant. À bientôt! Incroyable, tout est complètement gelé. Il y a une couche de glace, mais genre partout, l'arbre, je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais l'arbre. L'arbre a une couche de glace, quoi. J'ai jamais vu ça. J'ai regardé ça. À peine marcher. Vous entendez le bruit que ça fait la glace sur l'arbre? J'espère que vous entendez, c'est incroyable. Franchement, je suis fan.